En 2008, vous créez avec Benoît Pensivi l'émission L'équipe du soir. Alors, comment est née l'idée de cette émission ? C'est très simple. Moi, je présentais, j'étais déjà à l'équipe depuis 1998. Je présentais le journal qui s'appelait La Grande Édition à l'époque, de 2001 jusqu'à 2008. Benoît Pensivi arrive en tant que patron de la chaîne. Lui a l'idée que je continue le journal. Ça, on est en février-mars de 2008. Moi, je lui dis que j'ai fait le tour du journal et que j'ai plus envie de le faire. Il me dit, tu veux faire quoi ? Je lui dis, je sais pas, mais on va se revoir. Et je vais trouver un truc. Et voilà. Donc, le rendez-vous est pris pour la, il me semble, la semaine suivante. Et puis, j'avais pas d'idée, mais j'ai commencé à réfléchir. Et puis, j'aimais bien une émission qui s'appelait, et qui est toujours d'ailleurs actuelle, une émission radio qui s'appelait On refait le monde sur RTL, où c'est une émission où ils évoquaient l'actualité généraliste. Mais il y avait un club de chroniqueurs, en fait. Ça tournait un peu par soi. Et j'aimais bien, moi, avoir plusieurs thèmes dans l'heure d'émission et avoir un club de chroniqueurs, c'est-à-dire qu'ils viennent certains jours, mais pas tous les soirs, pour que ce ne soit pas chiant également pour eux. Et puis voilà, donc quand je suis allé le revoir, j'avais le titre, j'avais l'idée. Lui, de son côté, avait réfléchi et lui aussi était tombé sur l'idée du talk show, aussi d'un talk show le soir. Donc en fait, on était tous les deux, on a eu la même idée, donc c'était très bien. Et puis, c'est lui qui a imaginé la rivière. Il l'a chopé chez nos amis américains d'ESPN. Ça s'appelle PTI. L'émission est toujours en cours. Vous pouvez aller sur YouTube pour voir. Il y avait une sorte de rivière. Et quand il me propose ça, moi je lui dis, écoute... ça fait très américain, c'est très loin de moi tout ça, je le sens pas. Il me dit, non, mais en fait, c'est juste la rivière, t'en fais ce que tu veux, tu vas pouvoir jouer avec ça, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui va être un repère, et ça va identifier ton émission, ça va la positionner. Et là, je trouvais que son argument était très bon, très fort, très pertinent. Et je dis, mais tu as raison. Moi, j'avais développé une autre chose, mais c'est vraiment cette idée-là de la rivière qui était magnifique, quoi, voilà. C'est vrai qu'elle est marquante quand on identifie ton émission. Ça positionne. Comment vous choisissez les surnoms des chroniqueurs ? C'était... en fait, il n'y a pas de méthode, en fait. Pas de méthode. C'est l'instinct ? Déjà, pour tout te dire, lorsqu'on a lancé l'émission, il n'y avait pas de surnom, il n'y avait pas de choses comme ça. Et je suis quelqu'un d'assez taquin. Souvent, le prénom saute, il y a un petit nom, un petit sobriquet, un petit truc. Et puis voilà, c'était un moment lancé pour une plaisanterie. Puis finalement, après, on s'est dit, tiens, on va réfléchir. Et puis hop, on en a trouvé. Et puis voilà, quoi. Maintenant, il y a une sorte de petite concertation. Où parfois, on peut en changer parce que ça ne nous plaît pas. On en a changé un, c'était Tito Villanova pour Grégory Schneider. Parce qu'on trouvait qu'il ressemblait. Et puis Tito était atteint d'un cancer et décédé. Donc on se trouvait... On s'est dit, bon, c'est l'homme en noir, c'est bien, c'est son truc. Voilà. Il n'y a pas de grosse gamberge, il faut que ce soit un peu automatique et que ça nous fasse marrer, en fait. Voilà. Alors, tout le monde vous surnomme Mémé à l'équipe. Est-ce pareil dans la vie quotidienne ? Non. Les gens, parfois, qui me reconnaissent dans la rue, me font « Ah, coucou Mémé !» Mais non, mes amis, non. C'est Olivier. Voilà. C'est déjà très bien. Alors, lunettes rouges, chemise blanche immaculée. Plus les lunettes rouges. Oui, c'est vrai. Plus les lunettes rouges depuis cette année. Mais j'en avais marre. Voilà. Pendant très longtemps, ça a été... Ah oui. Ah bah oui, de 2008 jusqu'à 2023. Ouais. Alors justement, comment avez-vous trouvé le style Ménard ? Bah ça, je ne sais pas. Non, mais en fait, c'était le style d'habillement. C'était déjà quelque chose. Je voulais pas de veste. Je voulais quelque chose qui ne se remarque pas. Et le fait de présenter toujours en chemise blanche. Mais j'ai pas toujours eu des chemises blanches, mais après je dis non, mais c'est bien, blanc. En fait, c'est pas. Ça fait juste une silhouette, et puis. Mais j'ai pas. Ça m'a pas pris longtemps, en fait. Je suis pas en train de gamberger sur les tenues. Je dis ce truc-là, c'est bien. Mais j'étais assez influencé par un monsieur, Thierry Ardisson, qui était lui toujours en noir. J'aime bien avoir ces codes-là, en fait. D'avoir quelque chose, hop, tu te repères même juste à... Donc j'aimais bien ça, en fait. Voilà. Chemise blanche, parce que je trouve ça joli. Et puis c'est juste simple, et puis c'est passe-partout, et puis voilà. Quoi.
C'est vrai. C'est vrai que le blanc immaculé correspond bien à votre rôle dans l'émission. Ouais, voilà. Où justement, vous donnez la parole à des personnes qui sont poussées par une adrénaline très forte. Qui sont plus rouges. Oui. Et justement, c'est un peu le drapeau blanc de l'émission. Bon, le drapeau blanc, ouais, j'écoute, mais en fait, moi, je suis pas là pour... Je suis pas là pour donner mon opinion, mais je peux la donner d'ailleurs, mais de manière interrogative. Je peux, voilà, je suis là en fait pour accoucher mes chroniqueurs. Après, je suis là aussi pour les écouter. Et après, je suis là pour reformuler finalement leurs idées, de leurs réponses, pour qu'elles soient à débattre par les chroniqueurs. Parce que parfois, dans un débat, on va dire classique ou il y a deux personnes qui sont en duel, l'un a dit oui, l'autre a dit non. Là, il y a le oui, il explique pourquoi il a dit oui, et l'autre explique pourquoi il dit non. Mais ils ne parlent pas fondamentalement, après ils ne débattent pas forcément l'argumentaire de l'un et de l'autre. Moi, l'idée, c'est de dire, lui, il a répondu oui parce qu'il a justifié comme ça. Donc, est-ce que ça, c'est entendable? Voilà, donc je suis là pour écouter, en fait. Je suis là pour écouter, pour resservir. Moins je parle dans l'émission, plus les chroniqueurs se parlent entre eux, mieux l'émission est. C'est une émission de débat, en fait. L'émission de débat, c'est des gens qui ne sont pas d'accord ou qui sont en désaccord et qui vont s'interpeller. C'est pas la circulation de parole, ne doit pas toujours partir de moi pour revenir à moi et je reparle, non. L'émission, une émission de débat, c'est quand les mecs s'interrompent, voilà. Le succès de l'émission L'Équipe du Soir réside notamment sur le casting. Alors, sur quels critères vous choisissez vos chroniqueurs? C'est un regard et une langue. Donc, le regard, c'est ce que la personne a à l'intérieur de lui, la façon dont il perçoit le sport. Et la langue, c'est la façon dont il l'exprime. Exemple, il y a un match, on a Grégory Schneider en plateau et on a Eric Blanc en plateau. Eh bien, ce ne sera pas le même match. Parce que les deux vont percevoir des choses, on va dire, un peu différentes. Je dis Greg et je dis Eric parce que c'est parlant, en fait. Voilà. Ils ont une sensibilité, ils ont un œil, ils ont quelque chose qui va... Donc moi, ce que je recherche, en fait, au-delà même du désaccord et de l'affrontement, on va mettre des guillemets, hein, c'est du sport, mais ce que je recherche, c'est des sensibilités et des manières de voir leur sport originales. Voilà. Originales. Donc... Et souvent, c'est lié, en fait, l'expression orale et ce que tu penses réellement du sport, quand tu as quelqu'un d'original, c'est captivant, en fait. De dire, ah merde, j'ai vu ce match, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ou alors, non, mais dis que des conneries. Enfin, c'est les réactions que peuvent susciter les chroniqueurs. Voilà. Mais moi, ce que je recherche, c'est quelque chose, on va dire, un peu différent. Enfin, de par un profil, de par une sensibilité. Quand j'ai pris Gervais Martel, je dis, on n'a pas de président. Et ça sera intéressant, à travers les sujets qu'on traite, d'avoir la sensibilité de quelqu'un qui a été président. Je recherche, ou comme Yvan, un agent, comme il y avait Gilles aussi, Favard. Ouais. Voilà. J'ai vu bien ce côté insider, en fait, de voir et d'avoir une autre sensibilité. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est pas d'avoir toujours les mêmes profils, en fait. D'avoir que des sportifs, d'avoir que des journalistes, d'avoir que, même si que les journalistes, ils pensent pas tous pareil. On le voit d'ailleurs dans l'émission, à travers l'émission, mais. Et voilà, j'essaie d'avoir des choses différentes, en fait, et que finalement ce soit les petites idées qui circulent entre eux, quoi. Voilà. C'est important d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Voilà. Alors, selon l'adage populaire, la curiosité est un vilain défaut. Alors, le journaliste sportif doit-il avoir des limites? Des limites, c'est d'essayer de... Enfin, je parle de L'Équipe du Soir, tout peut se dire. Du moins que ce soit justifié. Et puis après, on est aussi dans le cadre de la loi. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas injurier, on ne peut pas avoir d'incitation à la haine, on peut pas... Voilà, quand je reçois les chroniqueurs et quand ils débutent l'émission, je leur dis, on va te poser des questions et généralement, on va te prévenir, si c'est les émissions où il n'y a pas de débrief de match, on va te poser dans l'après-midi les questions qu'on a élaborées. Et à toi de répondre oui ou non, mais à toi de justifier ton opinion, en fait, de m'expliquer pourquoi je dis oui, quels sont mes critères pour dire oui, quels sont mes critères pour dire non. Voilà. Alors, on parle souvent de la chance de Didier Deschamps. Alors, la vie est-elle tout aussi bienveillante avec vous? Oh, bah oui.
Ah bah oui, oui, oui. Moi, j'ai de la chance, ouais. Là, j'ai de la chance d'avoir créé l'émission, j'ai de la chance d'avoir qu'on puisse me laisser travailler depuis la création, donc depuis 15 ans. J'ai la chance d'apprécier ma chance aussi. Ouais, ouais. Oui, c'est important. Ouais, et... ouais, j'ai de la chance, ouais. Ouais, j'ai de la chance, ouais. Ouais, c'était Louis Acariès qui disait « Dans la vie, d'avoir la chance, ça sert à rien. Il faut pas avoir de malchance. » Il dit « Si à la fin de ta vie, t'as pas eu de malchance, bah, tu peux estimer que t'as eu de la chance. » Et souvent, je pense souvent à la maxime de Louis. Et je trouve que c'est intéressant. Mais moi, j'ai de la chance, ouais. Ouais, j'ai de la chance. Bah, de la chance, déjà, de faire un travail que j'aime, quoi. Voilà. Et puis, de rencontrer, même à travers tous les gens que je rencontre, c'est-à-dire les chroniqueurs, bah, ça m'a permis, moi, de me nourrir, m'élever, me cultiver, me confronter. Donc, pour moi, c'est même au-delà de mes espérances. En fait. Alors, quelles ont été les personnes qui ont contribué à l'évolution de votre carrière ? Bah, déjà, le premier, c'était Michel Drucker, quand j'ai travaillé chez lui dans les années 90, en 94. C'est lui qui me donne... C'est lui qui me donne la chance de commencer de mettre un pied dans le monde de la télé. Mmh. Voilà. Il y a eu à travers les gens que j'ai rencontrés chez Michel, des gens qu'on ne connaît pas, mais un monteur qui s'appelle Rémi Romain, le bras droit de Michel, Eric Barbette, mais là, que les gens ne connaissent pas, mais voilà, c'est des gens qui m'ont appris trois petites choses, parce que plus au début, je n'étais pas tellement une flèche, hein. Je ne travaillais pas beaucoup, je n'étais pas très mature. Donc il y avait parfois des explications, on va dire un peu cash, un peu musclé, mais c'était vachement sympa. Après, quand je suis arrivé à l'équipe, il y a un monsieur que j'ai rencontré, c'est Vincent Rignier, qui est aujourd'hui patron de CEPROD. Et c'était patron de la chaîne à l'époque. Et lui, il m'a beaucoup marqué, au sens où il te jetait dans un truc que tu découvrais, que tu étais confronté, il dit ouais, vas-y, tu vas te démerder, démerde-toi. Ouais, vas-y. Genre faire suivre le Tour de France à la voile. Alors je connaissais rien en voile, donc sortir un programme quotidien de 6 minutes 30 quand tu es tout seul, bah voilà. Je dis maintenant tu vas te débrouiller. Va avec tes idées, bah, puis c'est vrai. Puis... Et puis qui d'autre encore Non, bah Benoît Pincivy, avec qui j'ai monté l'émission, en fait, c'est des rencontres, en fait. Voilà, je dirais... mais c'est un métier où j'ai rencontré beaucoup de gens sympas. Beaucoup de gens sympas. Voilà, bah, quelques personnes importantes, ouais. Alors justement, vous parliez de vos études, plutôt. Vous n'étiez pas très studieux. Non, pas du tout. Et pourtant, l'équipe du soir nécessite beaucoup de travail. Ouais. Donc finalement, c'est le sport qui est votre matière favorite. Ouais, bah voilà. T'as tout dit, en fait. J'ai en fait tout... Je rencontre souvent des gens qui disent « Ah, j'aime bien le sport, je travaille tout ça. » Moi, j'étais à peu près comme eux. J'ai toujours rêvé de travailler dans le sport. Mais ça, c'est un truc que je veux dire qui m'est venu un peu sur le tard. Je ne savais pas que le sport chez moi suscitait autant de curiosité. En fait. Parce que quand j'ai travaillé chez Drucker, bah, il y avait de la chanson, il y avait le cinéma, il y avait du théâtre et tout ça. J'aime bien. Pour moi, c'est juste du domaine du loisir. Je veux dire, je vais aller au cinéma, je vais voir le film, je vais voir... voilà. Mais ça ne va pas, chez moi, susciter derrière des recherches. L'espace d'un temps, je me divertis, c'est très bien. Et puis voilà. Non, le sport, il y a des questions, il y a une curiosité qui est tout d'un coup qui vient, de manière naturelle. Et voilà. Et des questionnements qui arrivent et voilà. Et que j'ai pas dans les autres disciplines. Je regarde, machin, ok, belle chanson, mauvaise chanson, bah, voilà, tu zappes. Et bon film, mauvais film, je pourrais expliquer, mais c'est un moment, et voilà. Alors que le sport est quelque chose, génère chez moi beaucoup plus de curiosité. Voilà. Et ça, en fait, c'est au fur et à mesure, en fait. Je te dis, je suis à la chaîne depuis 98, ça fait un petit moment. Et j'ai toujours autant de passion à suivre, à regarder, à m'interroger, et à être curieux, quoi, et apprendre des choses. Et donc, si j'apprends des choses, bah, je vais les transmettre aux téléspectateurs à travers cette question. Moi, je me suis posé ça comme question. Bah, j'ai appelé, on va dire, soit les gens qui sont directement concernés, soit quelqu'un qui est proche du dossier et qui peut me permettre de m'apprendre des choses. Et donc, de les transmettre aux téléspectateurs. Voilà. Alors, le sport est une école de la vie. Qu'est-ce que le sport vous a appris sur vous-même ?
Non, c'est le journalisme plutôt. Tout je suis pas... Non, mais moi, je suis pas sportif, en fait. Oui, bah... mais vous traitez de l'information sportive. Oui, mais mon job, c'est pas d'être sportif. Mon job, c'est d'être journaliste, animateur. Et ça m'a construit, en fait. Ça m'a appris beaucoup de choses, quoi. Sur de la rigueur, sur de la vérification, sur moi-même, en fait. Ce que je t'ai raconté sur l'idée du sport, et chez moi, ça génère de la curiosité, toujours de l'envie. Ah voilà. Parce que je n'étais pas un gros bosseur à l'école, puisque ça ne m'intéressait pas fondamentalement. Mais à partir du moment où finalement les choses m'intéressent, mais je travaille, mais pour moi, ce n'est pas du travail. Quoi. Parce que je suis muet par un intérêt de savoir, ou de comprendre. Donc. Ça m'intéresse, donc voilà, quand ça t'intéresse, t'as pas l'impression de faire un effort, c'est au sens du travail. Bah, pour moi, c'est pas un effort, pour moi, c'est une curiosité, voilà, c'est une dynamique plus qu'un effort. Voilà, donc, je sais pas si je réponds à ta question, mais mais en tout cas, c'est ce que je te dis, en fait, c'est des réponses que je t'ai peut-être dit avant, sur fréquenter des chroniqueurs d'équipe du soir, ces gens-là, je trouve que, en général, ils sont... intelligents, ils sont fins, ils sont cultivés, ils ont un truc, et ils vont t'apprendre des choses, ils vont t'enrichir en fait. Et moi je trouve que la chance que j'ai à travers cette émission, c'est chaque soir d'écouter des personnalités qu'on a vues. Donc c'est comme un petit club en fait, un petit club d'un télo de chercheurs, je mets des guillemets, mais voilà. Et donc moi en les écoutant, j'apprends quoi, j'apprends. Donc ça me nourrit, ça me construit. Ça m'a énormément fait évoluer, voilà. Ça m'a nourri plutôt, voilà. Il n'y a pas un avant-après, ça te nourrit, quoi, voilà. Les quatre fantastiques de votre jeunesse sont Platini, Noah, Prost et Hinault. Ouais. Alors, quels seraient vos quatre fantastiques de tous les temps? Les quatre, c'est mes quatre, en fait. Intemporel. Pour moi, ouais, parce que t'es lié... La passion du sport, elle vient de l'enfance, et la passion du sport vient de l'enfance avec des champions qui sont, qui sont pour moi, qui resteront mes champions. Voilà, même si c'était pas finalement peut-être les plus forts, c'était quand même des grands champions. Et voilà, c'était ma porte d'entrée, ma passion pour le sport. Donc ils ne le savent pas, mais je leur serai évidemment reconnaissant éternellement. Mais je les ai choisis parce que c'était les porte-étendards de leur génération. Et pour répondre à ta question aussi. Pour moi, c'est mes quatre champions. Mais c'est lié... et ça ne se discute pas. Oui, c'est vrai. Non, mais ça ne se discute pas. Ça peut se discuter avec d'autres personnes, mais ça ne se discute pas parce que je ne les ai jamais mis en concurrence. Pour moi, c'était les quatre parce qu'ils étaient beaux, forts, vainqueurs. Pas toujours. Non, mais à travers, en plus, tu vois, ce qui est drôle, c'est à travers ça, je comprends aujourd'hui les jeunes qui sont pour Messi... ou pour Ronaldo, Cristiano, et qu'ils vivent très mal l'émergence d'un rival. Et quelqu'un qui pourrait éventuellement contester leur supériorité. Moi, je reviens à la génération, donc l'un de mes champions, c'était Platini, ou Prost avec Senna. Et donc Platini, Maradona, Prost, Senna. Et adolescent, je ne pouvais pas concevoir que Maradona soit meilleur que Platini, alors qu'il l'a. Mais c'était pour moi pas possible. Qu'est-ce qu'il vient foutre ce mec-là contester mon Michel, voilà. Donc c'est les souvenirs d'enfance qui reviennent, qui remontent, et parfois la lecture de ce que j'entends, de ce que je lis sur la réalité Messi Ronaldo, je dis bah oui, tu l'as vécu, tu la connais, tu peux comprendre pourquoi les personnes sont tellement obtus dans leur choix, parce qu'en fait c'est leur passion et ils sont viscéralement liés à ce champion-là. Donc voilà, tu vois là encore, tu vois, c'est intéressant, c'est toujours de revivre ta propre histoire, mais pour comprendre, c'est pas pour ressasser, mais c'est pour comprendre ce que vivent et ce que ressentent les gens aujourd'hui par rapport à leur passion pour un joueur et tout ça. Mais moi je suis venu au sport par des champions, et jamais par un club en fait. Dans la rue on me dit « c'est quoi ton club de cœur ?» Je dis « oui j'allais au SCO d'Angers, mais... » Et j'aime bien le SCO, enfin, je veux dire, voilà, je suis dans le jeu, mais
je me réveille pas la nuit parce qu'ils sont descendus en Ligue 2. Mais bien, mais voilà. Est-ce que c'est plus l'aventure humaine finalement ou l'humain qui... Ben, je sais pas, c'était comme ça. Moi, je suis venu au sport par les personnalités des champions. Quoi. Je sais pas si tu as vu dernièrement avec les 40 ans de l'anniversaire de la victoire de Yannick Noah, si tu as vu des choses, écouté des interviews. Bah, il avait une sacrée... Enfin, il a une sacrée personnalité. Un talent de narrateur, la mauvaise humeur, des taquineries. Enfin, les mecs étaient brillants, quoi. Alors, Platini un peu chambreur aussi, drôle, piquant, j'aimais bien. Prost et Hino, on va dire plus effacés, plus prudents au niveau de leur, ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. Mais Hino, il disait, aujourd'hui je prends le maillot, quoi. Il dit, aujourd'hui je prends le maillot. Et en général, ils le prennent. Voilà. En tout cas, c'est des beaux souvenirs. Bah ouais. Mais de toute façon, c'est lié à tous les gens qui sont, tous les gens qui aiment le sport. Sont toujours liés aux émotions de leur enfance. En fait. Tu te rattaches souvent à ça. Voilà. Je pense que c'est. Tu viens pas au journalisme en sport par, il me semble, par hasard. Tu peux peut-être accéder par hasard, mais tu restes pas. Je pense que c'est lié, ouais. C'est lié à l'enfance, c'est lié à des. Voilà. C'est lié à des choses de l'enfance. Voilà. Alors, avec votre expérience de débat avec de fortes personnalités passionnées, aimeriez-vous dans l'avenir animer des débats de société ou de débats politiques ? Non, pas du tout. Non, c'est ce que je te disais. Quand je parlais de la musique et tout ça, ça ne me transporte pas. La politique, bah, je vote, ok, mais ça ne me transporte pas. Alors, recevoir des politiques comme avec M. Sarkozy. Oui, ça, mais de les ramener dans notre univers et au sport, ce qu'ils ont fait, parce que souvent les présidents ils ont des influences sur les droits télé. C'est vrai. Et voilà, ça m'intéresse. Enfin, ça va me captiver, ça va me... Oui, je pourrais présenter un débat sur les avec les politiques, oui, oui. Quel est le meilleur conseil à offrir à un jeune journaliste ou à un jeune qui souhaite se lancer dans la vie active ? Déjà, de dire de ne pas se désespérer. Il n'y a aucun job au monde où la personne dit je t'attendais. Heureusement que tu arrives, je t'attendais. Donc ça fait baisser un peu la pression. Et puis voilà, puis après, je sais pas, la curiosité, d'être sympa. Oui. La curiosité que finalement cette matière-là suscite chez la personne une réflexion, un intérêt, qu'est-ce qu'on peut apprendre, une réflexion, enfin voilà. C'est, le conseil. Ouais, je n'ai pas de conseils en fait. C'est, si les gens choisissent ça, c'est qu'ils ont leurs propres envies. Voilà. C'est un métier absolu en fait, je pense, je trouve. C'est un métier, si on veut le faire, c'est une rencontre aussi avec soi-même, je pense. Avec ses limites, avec ses trucs, avec ses machins, avec, et puis rencontrer des gens. Et puis, non mais c'est passionnant. Je reçois à travers l'émission des jeunes qui commencent leur carrière. Voilà, qui travaillent avec moi, tout ça. Donc, je suis des abreuves de conseils. Voilà. Comme on m'a abreuvé de conseils, moi aussi, hein. Quand j'ai commencé, c'était pas bien brillant. Hein. Donc j'avais Christian Prudhomme, j'avais donc Vincent Régnier, j'avais Patrick Lemoine, qui venait dans mes textes quand je faisais les journaux, qui me corrigeaient. Hein. Tiens, t'as dit une connerie, tiens. Hein. Donc l'idée, c'est pas se désespérer, s'accrocher. De réussir, enfin de pas dire de conneries, de pas de machin, c'était important. Alors qu'en général, c'était pas très important, le monde professionnel. Alors là, pour moi, ça c'est important. Voilà. Comme ça. C'est une belle transmission. Quels sont vos plus beaux souvenirs de carrière ? Pour le moment. C'était. Oui, parce que c'était quand même vachement imprévu. C'était sur le dernier Vendée Globe, le sauvetage de. Par Jean Le Cam de Kevin Escoffier. Les concurrents du Vendée Globe ont dévalé tout le Sahara Atlantique, arrivent à la pointe d'Afrique, au Cap de Bonne-Espérance. Il y a une tempête. Le bateau d'Escoffier coule en quelques minutes chrono. Il est sur son radeau de survie. Il a déclenché sa balise. Et là, Jean va le sauver. Et on nous propose un direct avec les deux, sur le bateau de Jean. Avec la question, est-ce un miracle ? Est-ce un miracle ce qui s'est passé ? Donc, duel, débat entre les chroniqueurs. Et là, tout d'un coup, Jean et Kevin se connectent en direct dans l'équipe du soir, voient le petit bandeau en dessous de la question,
Et Kevin me dit non, non, c'est pas un miracle. Il nous explique sa journée, la façon dont il a vécu ses 11 heures, 12 heures de survie dans son radeau. Là. Voilà. Non, non, c'était extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Extraordinaire parce qu'on était à la fois sur de l'accessibilité, à la fois le gars était en direct, à la fois le gars jouait sa peau quand même s'il s'en défend, mais il y avait comme des risques qui lui passent. Et une grande simplicité et une grande intelligence pour expliquer comment il a vécu ce moment, quoi. Donc là, c'est un grand, ouais, c'est un grand souvenir. Un grand souvenir, mais de toute façon, quand tu t'intéresses un peu à la voile, comme ça, et des courses qui sont extrêmes, bah, et en plus, ces gens-là, on l'engage pour t'expliquer, pour verbaliser, chose qu'ont pas tous les sportifs, parce qu'eux viennent en général, ils sont un peu patrons, ils vont voir des sponsors, ils doivent raconter leur histoire, ils doivent les décider, donc pour avoir des financements, pour aller chercher, donc ils ont l'habitude de parler, de convaincre, d'essayer au moins de... Voilà. Là, quand ils te racontent leur course, bah, c'est passionnant, en fait. En plus, voilà, il y a un rapport qui est sain, parce qu'eux se disent, bah, moi, il faut que je passe en antenne pour qu'ils donnent mon... le nom de mon sponsor, parce que, voilà, comme ça, monsieur, je sais pas, Sodebo, Banque Populaire, machin, il va être content, voilà. Et en plus, je sais expliquer, en fait, voilà. Donc, ces relations d'intérêt croisé ou d'intérêt mutuel qui font qu'il y a du contact et il y a de l'échange. Et puis, là, on est même plus... on dépasse même le cadre même pur et simple du sport à gagner, t'as perdu. Il y a une notion de danger, une notion absolue, parfois de survie. Donc, qui donne quelque chose de se dire, ouais, là, les mecs, et tous les sportifs, quels qu'ils soient, sont des surhommes par rapport à nous physiquement. Mais là, il y a encore quelque chose de plus important, puisqu'il y a parfois, il y a la vie qui est en jeu. Donc là, on se rend compte tout de suite que, oui, voilà, ce dont ils sont capables, on ne serait pas capable de le faire. Bon, on ne l'a pas choisi non plus, mais voilà. Mais, donc c'est ouais, le plus beau moment, comme ça, spontanément, j'en ai vécu plein, des fous rires, des choses, des trucs aussi, avec les copains, ça rappelle des choses, des fous rires en classe, des plaisanteries collégiennes, mais voilà, c'est le moment, c'est la vie, quoi. Mais ouais, spontanément, ouais, c'est Kevin Escoffier, ouais, et Jean Le Carme, voilà. Voilà. Et enfin, pour conclure l'interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bah, que ça continue, hein. C'est tout. Je pas plus que ça continue, que je prenne toujours du plaisir, puis que les téléspectateurs en prennent aussi. Ouais. Voilà, c'est plus simple, quoi. Que ce soit simple. Je vous remercie pour cette très belle interview. Merci.